Pour le canal anglais, ce sera le même sujet, mais avec des invités anglophones, et un troisième studio avec les arabophones. Le sujet peut être présenté un petit peu différemment, mais par exemple, cette semaine, nous avons fait l'histoire de la burqa et du niqab. Vous savez qu'en France, il y a eu un certain nombre de personnalités, 52 responsables politiques, toutes obédiences confondues, qui ont demandé qu'une commission d'enquête travaille sur, j'allais dire, la recrudescence de ce type de tenue dans les banlieues, un certain nombre de quartiers. C'est un formidable sujet pour nous. Bien évidemment. Et c'est un sujet sur lequel nous allons à la fois faire du français, de l'anglais et de l'arabe, et nous allons faire du web. Nous allons avoir énormément de réactions sur le web parce que nous savons que ce type de débat et de contenu est très France 24. Et dans ce cas-là, on a une participation des internautes tout à fait considérable dans les trois langues.